Eh bien, c'est tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous, les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur The Last of Us Part 1 avec l'épisode 9, toujours en compagnie de Ellie, ici présent, et sa petite lampe torche. Ça fait extrêmement plaisir. Let's go. 4K, 60 FPS, évidemment. Plongez-vous dans le noir, un petit truc à boire et à manger. On est parti une bonne demi-heure ensemble. Et la suite de notre aventure est littéralement de l'autre côté de cette porte. Sur quoi? Pour l'embuscade. J'ai déjà été à leur place. Oh. Ok. Alors, t'as tué beaucoup d'innocents? Oh. Je prends ça pour un oui. Prends-le comme ça t'arrange. Bon. Joël ne veut pas trop en dire. C'est ici que ces connards dorment. Enfin, dormaient. Ok. Toujours. Toujours recharger ses armes. Oh, des petites pilules. I take it, les pilules. J'adore les pilules. Oh là! Un manuel. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Lire. Chapitre 2. Efficacité accrue des premiers soins sur le terrain. Les attelles sont utilisées pour stabiliser un membre blessé. Si les objets rigides constituent des supports idéaux, étendez l'attelle, ok, palpez la zone. Et ben voilà, bah c'est déjà étudié. Les kits sont déjà... les kits sont 33% plus efficaces. Bien, je prends. Les intrus seront abattus, pas de survivants. Alors si un... Les gars, il faut leur expliquer. Si un intrus... Lis ce message-là, c'est que déjà, il est allé bien loin chez vous et que donc, bah, il vous a baisé, en fait, hein, voilà. Tout simplement, je suis désolé de dire les termes, mais les termes restent des termes. Oh, ok, je prends. Oh, ok, je prends. Rame de buse, d'accord, hein, ouais, ouais. Carte d'embuscade des chasseurs, ok, ouais, ouais. C'est une belle carte. Oh, petit atelier. Eh, j'oublie trop souvent que j'ai l'arc et ça, c'est assez terrible. Alors, on se met au travail. Oh oui, on va se mettre au travail. Quelle est l'arme que j'utilise le plus? Concrètement, c'est celle-ci. Donc, on va essayer d'augmenter sa vitesse de tir, sûrement. Cadence de tir 20% plus rapide, c'est beau. Et ça, c'est quoi? Recharge votre arme 5% plus rapide. 5%, je trouve que ça vaut pas le coup, mais 20% plus rapide, ça, je prends, ça me plaît beaucoup. Voilà, on va lustrer tout ça. Voilà, c'est tout propre. Ok, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, y a plus besoin. J'ai déjà... Si, on peut encore l'améliorer. What the fuck? Non, c'est bien ce que je pensais. C'est totalement ce que je pensais. Je peux... La capacité du pompe, ça c'est pas mal. En plus, le pompe, il tire plutôt vite. 100% de vitesse de rechargement. Moins 40% de recul. Plus 1 dans le magasin. 1-1-1. Ok. Les deux, je me tâte un peu. En vrai, ça m'a l'air important, ça, quand même. Ça m'a l'air important. Allez, une cartouche de plus dans le magasin. Ça, c'est des trucs qui font plaisir. Évidemment. Ça ira. Ok. J'en reviens pas, je suis toujours aussi heureux. Attends, quoi? On s'est foutu de ma gueule? On s'est foutu de ma gueule, les gars? Mais j'ai pas une chambre de plus dans le magasin, là? C'est très bizarre. Ok. Bon, on verra peut-être un petit peu plus tard, je sais pas, je... J'ai louché, non? Ah non, mais je suis bête, 100% de recharge. Excusez-moi, my bad. Et en plus, j'avais dit que ça servait à rien, une balle en plus. Et, excusez-moi, je... Il est tard, ok? Peu importe, ne restons pas là. Enfin, il est tard au moment où j'enregistre, vous l'aurez compris. Ok! Allez, on est parti, viens ma petite Ellie. Viens Bibiche, on va aller là-haut. Et on va voir un petit peu ce qui s'y trouve. Bon, voilà okay. Le pont, c'est notre sortie. Ellie, ralentis, attends-moi. Quoi? Je suis là. Laisse-moi passer devant, tu veux? Et puis parle moins fort. Ok.
Très bien. Oh, il n'y a pas quelque chose ici peut-être qui peut nous plaire? Non. Rien ne nous satisfait. Oh, ça, je prends ça. Ça, c'est des pilules. Du moins, son équivalent. On va faire attention. Il y a un truc. Est-ce qu'il n'y a pas des pièges par hasard? Hé, je siffle. Ah, super. Encore un truc qui va me rendre fou. Ah, bah voilà, il y avait bien des comics dans le 1, je suis pas fou. Ok. Choc terminal. Très bien, très très bien. Et ben voilà, allez. Un super héros de fait. Fan de Savage Starlight. Je me rappelle The Boys maintenant. Et The Boys n'existait pas il y a 9 ans. Attends, il n'y a rien là. Eh, franchement, vraiment, mettez en 4K, s'il vous plaît, juste une fois, même si votre connexion est terrible. Et oh, quoi? Il écrit quoi? Marre de la Fedra. Ok. Et arrêtez-vous sur les détails, en fait. Genre, vraiment, arrêtez-vous, mettez pause sur une image et comprenez la puissance et la qualité de ce remake. Qu'est-ce qui s'est passé? Tes amis chasseurs ont fait ça? C'est pas mes amis, t'es cinglé, toi. Tu vas commencer à mieux me parler. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut? C'est tes potes les chasseurs qui ont fait ça? Très drôle. Non, je miserais plutôt sur l'armée. Pourquoi ils auraient tué tous ces gens? Pour ne pas avoir à les recueillir. Et ils les ont tués? Et les morts ne risquent pas d'être affectés. Les sacrifiés pourraient en sauver un grand nombre. Ah, ça craint. Ouais. Ouais, quand il se passe quelque chose comme ça, vaut mieux être d'ores et déjà dans l'armée. Au moins, t'as ta petite place, si je puis me permettre. C'était quoi? Mais je crois que... Je sais pas. Ellie, baisse-toi. Qu'est-ce que t'as appris à tirer? Ellie, vite! Il y en avait plein. Et tu les as tous ratés. Super. Toi, je vais pas te rater. Waouh. Arrête, tu me fais peur. Bah, si jamais tu veux des leçons, n'hésite pas. Je peux t'aider. Ouais, c'est ça. Ok, ils sont trois. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils devraient être là. Ils surveillent la nationale. Ça m'étonnerait pas du tout qu'ils aient chopé un autre groupe d'intrus. Ok. C'est une vraie mine d'or, là-bas. Les vénards. Regarde si tu trouves des trucs dans le coin en les attendant. Y a rien ici. On continue. Très bien. C'était chaud. On n'est pas obligé de les tuer en vrai, hein. Fais chier. J'en ai ras le cul d'attendre. Allons voir ce que foutent ces guignols. À chaque fois, c'est pareil. Putain, si jamais ils nous cachent encore quelque chose... Ouais, et qu'est-ce que tu vas faire? Tu verras. Ouais, je verrai. Ok, on va dans l'antre du diable, là. Hein. Ce type me fout les jetons. Mais est-ce que ces types sont partout dans la ville? Ouais, on dirait. Ok. On a eu tout ce qu'on voulait. Ça fait bizarre de voir un poste de contrôle sans soldats. C'est à ça que ressemble la plupart des zones. Cet endroit est abandonné depuis un bout de temps. Ok. Très très bien, une petite lettre. Nous nous rations. La plus grande bande de bons à rien n'ayant jamais porté des armes a réussi à nous prendre Troy Hill. Ces enfoirés sont malins, ils nous ont volé un mortier, on n'avait aucune chance. Entre ça et le Strip District, ils ont contrôle de toute la rivière. La retraite n'a pas été facile, on a perdu la moitié de notre escouade. J'espère simplement que Jérémy et Pam sont toujours en vie. Ils sont restés bloqués de l'autre côté de la rivière. Très bien. Ok. Ah, Bibiche. Oh non. Oh non, Bibiche, je veux que tu me dises ce que tu voulais dire. Bibiche. Oh non. Elle m'a vu sauter le sac de sable, elle a dit il est beaucoup trop chaud. J'ai plus envie de parler. C'est terrible. Fais chier. On aura loupé une petite interaction.
Vous mourrez avant qu'on soit affamé, ok? Les nouvelles sont bonnes. Il n'a pas spécialement envie de parler. Ok. Chasseur. Ouais, moi aussi. Ne fais pas de bruit pendant qu'on traverse cette zone. Ok, putain. On a passé toute la nuit à traquer quelqu'un. 1, 2, 3. Ah ouais, t'as anticipé à ça. 4, 5. Ouais, cette fille-là, elle voulait pas lâcher l'affaire. J'ai jamais vu quelqu'un se démener autant. On a buté tous les autres en 5 minutes, mais elle, on a mis 5 heures à la retrouver. Putain, il y a des fois, c'est vraiment pas facile. Ouais, c'est clair. On allait les okay. Là, elle a commencé à nous tirer dessus. Ça c'est con, elle aurait pu filer. Oh là, c'est pas vrai. Ils traînent en gang. Ils sont en bande organisée, frérot, tu veux faire quoi? Fin de l'histoire. Merde. T'aurais peut-être dû la ramener, tu sais, pour en faire une des nôtres. Non, pas moyen. Cette fille, elle nous aurait tous tués dans notre sommeil. Pas le choix. Ok. Allez, tu manges. Oh, tu manges ta mère épais, toi. Ok. On va se soigner vite fait. Essaye d'avoir les yeux un peu partout. Est-ce qu'il est par là? Il est pas ici. Déployez-vous! Oh, il est chaud. Il est pas par ici! Ok. Pas facile, hein. Pas facile, je suis désolé. Très dur de parler dans des conditions aussi déplorables que celles-ci, il est vrai. Il est vrai, il est vrai. Ok, ça on prend. Alors, on va essayer de monter là-haut. Ok. Un mec ici. Je vois personne là. Désolé, t'as pas de bol, mon pote. Même si t'es pas trop mon pote. Ok. Un mec là-haut. Très bien, très bien, très bien. Viens ici, petit coquelicot. Il y a un gars derrière. Oh là là, il va me voir. Viens de côté. Et toi? Ok.
très bien. Qu'est-ce qu'on a là ? Sur un malentendu. Ça peut être super cool. Ok. Il a été découvert d'où, lui ? En bas ? Oh, what ? What the fuck ? Cours pas comme ça ! Cours pas comme ça ! Ok. Ok, deux manes ici. Bon. Ah oui, ils sont vraiment deux en plus. Mais ils sont... Ok. On s'en sort plutôt très très bien. Ok. Très très bien. Bon. Ok. Lui, je vais en faire mon affaire. Mais putain, la qualité de ce jeu, les gars, waouh. Mater les jeux de lumière et tout, quoi, c'est... C'est des coups. Me voilà ! Près des étagères ! Ok, il y en a qu'un. Allez, faut faire le tour ! Okay. T'es mort, ok. Deux, trois. Il y a lui. Vas-y, je te couvre. Ça marche. Oh, fils de pute. Il est par ici, près du canapé. Il m'a fait peur, je l'avais pas vu. Ok. Couvre-moi, j'avance. Je te couvre. On va bien jouer à lui. Très beau combat. Bon. Rien, on a vu pire. Montre-toi, sale fils de pute. Ah quoi ? On avait dit pas les mères. On avait dit pas les mères. On avait dit pas les mères. Ok. C'était bien trop juste. Cap sur l'infini et au-delà. Survie à tout prix. Excuse-moi. Savage Starlight. Tu sais, la BD que je lis. Le héros dit ça après une grosse bataille. La survie à tout prix. Ouais. Ok.
Ok. Eh bien, écoutez, il est temps pour nous de tout fouiller. Le moment le plus agréable, évidemment, dans un jeu de survival horrors. Bon, même si c'est plus un jeu aventuro-fantastico-survival, ça mélange un petit peu de tout. Mais pour notre plus grand plaisir, évidemment, ça je prends. Hein. Attends, c'est tout. On appelait ça un centre de tri. C'est là qu'ils décidaient qui rentrait et qui restait dehors. Parfois, ils n'acceptaient que la moitié des membres d'une famille. Et il se passait quoi après ? À ton avis. Ok. Ça. Voilà. Toujours des petits trucs à fouiller, je te le dis, mon petit pote. Boum, boum. Ok, superbe. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a bien fouillé la zone, là. On est... Je suis content, hein. Je suis content, hein. Quentin, il est content. Hein ? Alors ? Là, qu'est-ce qu'on a ? Ok. Bon. Et si on détendait un peu l'atmosphère ? Prêt ? Quel est le comble pour un facteur ? Bah, c'est d'être timbré. C'est quoi, ça ? Un livre de blagues, sans mauvais jeu de mots, volume 2, de Will Livingston. Allez, on avance. Alors, on dit que le comble pour un boulanger, c'est de se faire mener à la... baguette. Ouais, je vois. Alors, quel est le plat préféré des cannibales ? C'est le croque-monsieur. Oh mince, ça m'a donné faim. Selon toi, quel est le cocktail le plus explosif ? Et ça te fait rire. C'est Molotov. J'aime pas me faire passer un savon, surtout sous la douche. Ok, je la connaissais pas, celle-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Tu nous as régalé, Ellie. Laisse-moi te dire que tu nous as entièrement régalé. D'ailleurs, je rappelle que Orcam revient bientôt en live. Et on a eu la chance exceptionnelle d'inviter la doubleuse officielle de Ellie. Et ça, bah écoutez, bah ça n'a pas de prix. Voilà, donc Orcam revient bientôt. Il y aura des invités encore une fois. Des doubleurs doubleuses, pourquoi pas. Et tutti quanti. Regarde un peu tous ces livres. J'aimerais avoir plus de place dans mon sac à dos. Alors comme ça, t'aimes lire, hein ? Oh, tu veux dire quand je fuis pas les chasseurs ou les infectés ? Ouais, je lis tout le temps. Elle est où la sortie ? Attendez, Bibiche, c'est par ici ? Ça doit être par ici. En vrai, j'aurais pu ne pas tous les faire, hein. Mais quel bonheur d'arracher tout le monde là-dedans. Ok, un mec pendu ici. Putain, mais ça doit sentir le cadavre sa mère, hein. Je comprends pas pourquoi les mecs, ils ont limite presque l'habitude. Merde. Il faut vraiment être cinglé pour prendre des soldats. Quand ils sont désespérés, les gens sont capables du pire. Et les gens qui se sont rebellés ? C'est ce contre qui on se bat maintenant ? C'est bien possible. Encore 300 soldats morts, ça ne vous suffit pas. Abandonner. Ok. Eh bien, pourquoi pas ? Mais pas maintenant. Allons voir où ça mène. Let's go. Ok. Alors là, j'en ai aucune idée. Déjà que je me souviens que de 10% du jeu, vraiment. Baisse-toi. Il y en a d'autres. Ah. Ils vont faire quoi ? C'est bon. Je crois pas qu'ils nous aient vus. Ok, ils vont libérer des infectés, c'était bizarre. Voilà le pont. On est un peu plus près. Enfin, je crois. Il faut continuer. Allez. Voilà, toujours aller au fond des choses, les amis. Toujours. Plus d'options. Ok. La mort pour la liberté. Ok. Oh. Ça, je prends. Très bien. Incroyable.
à fouiller ici. Finalement, en fait, ce jeu... C'est trop loin pour sauter. Ah, putain. Finalement, ce jeu, c'est plus... C'est presque un jeu contemplatif, un peu, hein, en vrai. Hein. Ok... Ok. Pas compris ce qui s'est passé, mais enfin, why not? Allez, viens, Bibiche. Viens là. C'était quoi ce bruit? Monte, on passe par l'hôtel. Ok. Attends, je la dépose où là, les gars? Doucement. Si? Non? Ellie? Cale cette planche comme eux. Ok, attends, je l'ai pas là celle-là. Comment ils vont faire? Je vais devoir passer par l'hôtel, c'est ça, moi? Ok. Ok. Plus qu'à trouver un moyen de monter. Alors ça, je veux bien. Je veux bien. Mais where is the moyen de monter, en fait? Là, j'ai une planche. Alors attendez, je l'ai pas là, je l'ai vraiment pas. Faut que je passe par là-haut peut-être. Ils m'ont dit maintenez rond pour plonger, c'est que je suppose qu'il va falloir plonger, vous voyez ce que je veux dire? Ok. Et là-dedans? Ah voilà, oh là 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 là, c'était tout con putain. Toujours chercher trop loin, c'est terrible. Ok. On allait quand même fouiller là-haut. On n'est pas des fous. On n'est pas des sauvages. Viens, ma petite Ellie. Ça pue ici. Ouais, le bois est pourri. T'allais souvent dans les cafés? Et comment? J'y passais mon temps. Et tu prenais quoi? Bah, du café. Excellent. J'adore rire. Ok. Je pense qu'il y a quelque chose là-haut, les amis. Il y a forcément quelque chose là-haut. Il y a la planche, mais il y a forcément quelque chose là-haut. Attends, j'aime pas trop ça. Où est la suite de nos aventures? J'aime pas trop ça. Hop. Ok. Petite note! C'est pour ce soir, on va prendre le contrôle... on va prendre le poste de contrôle Est. J'ai planqué des réserves au régal. La cachette est marquée d'un X rouge. J'ai pris des réserves au régal. Ok. Et c'est marqué d'un X rouge. Ok. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est pas l'hôtel régal. Ça, c'est pas un hôtel qui régale. Donc, un X rouge. Ok. Eh ben, de toute évidence, c'est pas ici. J'ai marqué l'hôtel d'un X rouge. Ça, c'est le River Coffee. Ok. Non, pas envie de retomber. Hôtel.
On va vite le savoir. Il est écrit pas d'espoir sur un panneau qui donne des directions. Très bien. Une fois qu'on est là, c'est finito, c'est ça? C'est bon, Ellie. Descends. Oh, c'est chic. T'es allé dans ce genre d'endroit? Enfin, avant tout ce bordel. Non. Non, j'en avais pas les moyens. Oh, ça devait être chouette. Ok. Ah. Coffre à code, c'est ça? Coffre à code totalement, je présume. Donc je suppose que... Là où c'est marqué d'un X... Très bien. On va refouiller encore un petit peu et puis on va s'arrêter là. Et je suppose que là où c'est marqué d'un X, c'est que, a fortiori, il y aurait peut-être un très gros indice concernant le code. Évidemment. Tiens, ça, je prends de la poudre. Ah, oh. Bougez pas. On va faire ça. Très bien, on va faire ça. Très bien, on va faire ça. Parce que ça, c'est accès exceptionnel. Et on va prendre ça. Superbe. Eh ben écoutez, les amis, on va pouvoir s'arrêter là. On va aller checker quand même là-haut. Sur un malentendu, il y a quelque chose de cool. Et j'aime les trucs cool. Il n'y a rien. Allez, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt dans cet hôtel pour la suite de notre incroyable aventure. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Hop, je vais prendre ça. Et je vais le garder dans les mains pendant au moins 24 heures. Bisous tout le monde. Bye bye. Et là, on va le reposer là. Ouais, faut pas trop abuser.